J'ai passé 1h30 de bonheur absolu parce que c'est assez rarissime dans le Vaucluse. Je sais pas, mais là j'ai vraiment passé une soirée formidable. Mais bravo pour ces soirées et puis vraiment. Merci, je vous remercie vraiment. Merci à vous. Ouais, ben je pense que c'est très intéressant dans la mesure où effectivement c'est une approche un peu différente de la musique, du rapport aux musiciens. On est plus proche, on est avec lui, on est avec eux lorsqu'ils sont plusieurs. On est dans une situation qui n'est pas la même, franchement la même que celle que l'on a lorsque l'on va à un concert traditionnel dans une salle de spectacle où souvent la distance est quand même plus importante. On n'a pas forcément la possibilité ensuite de voir le musicien, de discuter avec lui, d'échanger sur sa musique, mais surtout n'importe quoi. Je trouve que ça crée quand même des liens beaucoup plus importants. Puis je pense que c'est aussi aller au-devant peut-être d'un public qui n'aurait pas forcément fait le déplacement un peu plus loin jusqu'à une salle de concert. Bon, je crois que c'est des formules qui sont à développer, même si je reste bien sûr partisan du concert, parce que c'est une autre forme de travail et que pour les musiciens, je pense que c'est quand même très important qu'il reste des lieux de diffusion actifs qui permettent de les recevoir et de les accueillir aussi. Nous sommes réunis à La Buissonne dans un lieu vraiment fabuleux, où j'ai eu plaisir à être un accordeur de ce piano magnifique, être proche de ces artistes magnifiques qui fédèrent justement toute cette vie professionnelle, ces instants qu'on va dire inoubliables. La version concert de la musique est toujours la plus spectaculaire, la plus improvisée bien sûr. Et chaque concert est toujours un instant unique. Et là, le but de ce concert ici au studio La Buissonne, c'était justement de sortir le studio dans la prise de son, gravé sur des disques, et dans cette ambiance donc qui est lourde d'histoire musicale, de donner un concert dans ce lieu qui va présenter l'exigence par rapport à son histoire. C'est des choses qui se réalisent de temps en temps ici, on l'a fait déjà. Je suis hyper enchanté que ça se reproduise. Ce côté concert avec cette qualité de son, cette volonté de tout le monde qui donne bien au-delà, je ne pense plus aux choses économiques, aux chances. On fait les choses parce qu'on a vraiment du cœur pour ça, on aime la musique. On est bien tous ensemble, toujours des super équipes, des gens partageurs. Et toute cette équipée fait que on doit être proche de l'artiste pour lui faire sentir et que la musique se passe bien soi-même. J'étais très heureux de revenir aujourd'hui à La Buissonne, qui est un lieu qui a marqué pour moi, au fait, mes débuts. J'ai une histoire avec cette région et avec ce lieu. Parce que finalement, le véritable coup d'envoi de ma carrière, quand j'y pense aujourd'hui avec le recul, ça a été le jour où j'ai gagné le tremplin Jazz d'Avignon. Ce qui m'a permis de rentrer en contact avec La Buissonne, et ce qui m'a permis, le jour où j'ai voulu faire mon premier album que j'ai produit moi-même, d'avoir des tarifs imbattables, ce qui fait que je suis venu ici, aidé d'ailleurs par les gens du tremplin Jazz d'Avignon et par Gérard de Haro, le maître des lieux. Ça m'a permis de faire mon premier album, donc de signer mon premier contrat discographique. C'est suite à l'écoute de mon premier album par mon producteur, que mon producteur Philippe Gametti a connu ce studio
et a élu domicile ici. Ce qui fait que j'ai continué à enregistrer, ainsi que beaucoup d'autres artistes sous le label Sketch. Je me suis rendu compte tout à l'heure que, que jour pour jour, puisqu'en plus j'ai enregistré mon disque mi-octobre, mon premier, ça faisait 15 ans que je n'ai, depuis que j'étais venu la première fois, j'ai beaucoup de souvenirs par rapport à ce lieu. Et j'étais très heureux finalement qu'un lieu aussi secret que le studio. Parce que le studio, c'est quelque chose de très particulier pour les artistes. Soit ouvert au public, ce qui est rarissime. C'était en tout cas pour moi une toute première que de faire un concert dans un studio d'enregistrement. C'était d'autant plus intense que c'est celui-ci qui est quand même pour moi, ainsi que pour beaucoup de monde, parce que finalement c'était quand même, notamment dans les années 90, ce lieu de les années 2000, l'un des lieux importants du jazz. Ça l'est encore aujourd'hui. Et je disais, c'est assez particulier d'avoir du public dans le studio, parce que finalement le studio c'est un lieu secret où on est vraiment face à soi-même. On est dans, vous savez, dans certains hôtels, il y a le miroir agrandissant. Et c'est terrible de voir une partie de son visage tout à coup dans cette espèce de grosse lentille, cette espèce de truc où on voit tous les défauts de la peau. Le studio c'est un peu la même chose. C'est un endroit où, quand on joue avec d'autres gens, on s'écoute par le casque. Tout est vu au microscope. C'est assez éprouvant d'ailleurs de voir ses propres défauts aussi en gros que dans un studio. C'est un lieu particulier, c'est vraiment un endroit intime. Et l'ouvrir au public, ça fait quand même une expérience particulière, parce que finalement, on mélange les genres. J'ai beaucoup de souvenirs liés à cette époque-là, à cet instrument sur lequel j'ai quand même enregistré le disque qui a fait ma carrière, qui est Avanti, mon disque solo. Autant de raisons qui ont rendu ce moment intense. Cette espèce de contre-emploi, le public qui te donne quelque chose que vraiment tu n'emmènes pas dans un studio. Ce lieu extraordinaire où tant de belles musiques a été jouée et où personnellement je suis un peu né par rapport au public. C'était beau. J'étais très heureux de le faire. Comme tout moment intense, les émotions se bousculent, mais je trouve super qu'on fasse ce genre de choses. Je trouve d'ailleurs assez marrant qu'on fasse venir des gens qui ont enregistré jouer ici, c'est-à-dire finalement détourner l'espace. Je dis ça comme ça pour terminer. En tout cas, j'espère. Du coup, ça m'a donné envie de revenir, de revenir enregistrer. Du moins, donc je pense que je vais garder le meilleur de tout ça, comme d'habitude. Et puis, je me suis bien amusé. Merci, Johan. Le plaisir est pour moi. Non, mais moi, ce que je trouve super, c'est que j'ai toujours aimé organiser ce genre de petits concerts privés dans un lieu habituellement clos. L'univers des studios, c'est toujours quelque chose de fermé. Il n'y a que les gens qui connaissent ça, qui travaillent là-dedans, qui viennent. Et je trouve ça génial d'ouvrir les portes et de faire venir du public qui ne connaît pas cet univers. Et en plus de ça, donc Fleur de Jazz, aider ce festival, pour moi c'était important parce qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, plus que jamais dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de portes, d'évasion. Ça me semblait vraiment important de pouvoir être un maillon de cette chaîne-là, quoi. Voilà. Après, Giovanni, on le connaît tous. Il a fait ses premières armes ici, ensemble. Moi aussi, je les faisais à l'époque. Et puis voilà, le temps a passé. Maintenant, c'est devenu une star. Et c'était super de pouvoir l'avoir comme ça, en petit comité, grâce à Fleur de Vie, Fleur de Jazz. Ouais, j'aime beaucoup les concerts en studio, ouais. Il y a des maîtres en musique
Et il y a différentes maîtrises dans la musique, quoi. On est vraiment chez un maître du son qui tente de restituer le son qui est présent dans son studio et de le restituer sur un disque. Ça, c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Alain Massono, pareil, c'est un grand maître dans son univers. Il est sous pression des cordes, il règle, il s'adapte à chaque pianiste, il s'adapte aux conditions, il est en permanence. Voilà, la perfection, le côté professionnel, le côté qu'il n'ait rien à se reprocher, parce que, comme on discutait avec Giovanni cet après-midi, lorsqu'il y a un problème, c'est la faute de l'artiste. Et là, c'est pareil pour les accordeurs de piano. S'il y a un problème avec le piano, c'est la faute de l'accordeur du piano. Voilà, donc, c'est des métiers de l'ombre, enfin, qui... Parce que c'est des gens qui ont l'oreille absolue, enfin, qui règlent un piano comme ça. C'est pas un accordeur électronique. C'est des gens qui sont à l'écoute, qui rentrent dans la matrice, si on peut dire comme ça, des harmoniques, le piano en lui-même, l'atmosphère ambiante, les gens qui se mettent au diapason de beaucoup de choses qui les entourent finalement. Et bon, Giovanni, bon, pareil, une sensibilité, une classe, beaucoup de... Voilà, c'est les mêmes mots qui reviendraient, professionnel, maîtrise, sensibilité, diapason, pour la musique. Voilà. C'est un petit peu ça le... Après, bon, moi, je suis issu de la musique aussi, mais j'ai vite laissé la place à ceux qui m'entourent. Et j'ai apporté plus mon énergie d'organisateur, de bâtisseur, de... Voilà, on n'a pas construit Rome en un jour, donc tous les jours, on s'attelle à essayer de faire des belles choses, de s'entourer de gens déjà que l'on aime, que l'on apprécie, et avec qui on sait que, voilà... On frise la perfection, même si la perfection n'existe pas, quoi. Heureusement. On est tous humains, et ce sont des gens très humains, très humbles, très sensibles, et c'est pas des gens qui, justement, ont un ego surdimensionné et qui sont tout le temps en train de tirer la couverture vers eux. C'est des gens qui font des sacrifices, même s'ils savent la valeur de ce qu'ils font, que ce soit l'artiste, que ce soit le studio, que ce soit chacun. On compte pas nos heures, on fait ça aussi pour que la culture demeure, mais une culture vraie.